crise alimentaire causée par la guerre. Voici à sujet le président français Emmanuel Macron et le premier ministre Justin Trudeau. Mais aussi une volonté d'aider dans ce contexte-là aussi encore plus fort les pays émergents. C'est des moments importants pour les leaders progressistes justement de continuer à avoir un impact positif dans un monde qui est de plus en plus troublé. Après la réunion du G7, Justin Trudeau va se rendre demain en Espagne pour participer au sommet de l'OTAN. Et par ailleurs, des semences canadiennes, dont du sarrasin, seront envoyées aux agriculteurs ukrainiens pour faire face à la crise alimentaire causée par l'invasion russe. Ottawa compte également exposer des silos modules qui peuvent être transportés pour aller rapidement. Ici, à des prix de silos et à bloquer les ukrainiens, ce qui compte. Attention, c'est